Zengou Alain. Je travaille ici au centre de santé Sainte-Bernadette. Ici, nous recevons les mamans à la PMI. Elles viennent nombreuses, elles s'assoivent ici. Et après, quand on entre dans le box, c'est là que nous faisons les castings individuels. Si la femme accepte pour se faire dépister, si le résultat sort positif, il y a des femmes qui pleurent, il y a des femmes qui tombent en piquant des crises ou des chocs. Alors, on se bat pour la tranquilliser ou le calmer. On lui explique, c'est un secret entre toi et moi ici. Personne ne le saura. Et tu peux nous apporter aussi ton mari si c'est possible. Mais il ne faut pas aller faire gaffe à ton mari, puisque si tu fais gaffe à ton mari, il va te battre et peut aller dire même à sa famille, non, ma femme est séropositive et ils vont te chasser. Elle accepte. Vous savez, ici chez nous, nous avançons à petits pas, puisque auparavant, le mot sida ici chez nous était comme un tabou. Alors si vous dites à une personne que vous êtes atteint du virus du sida, la personne est grièvement blessée. Même si vous le dites là, non, c'est pour sauver la vie de votre fœtus, de votre enfant, vous n'allez pas mourir maintenant, il faut un peu de temps pour la récupérer petit à petit. Donc, je suis venu à pas mal à moi. Je suis venu me consulter, je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison, je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison, je suis venu à la maison. Il faut que je me fasse un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Avec l'option B+, nous conseillons nous infirmiers à la femme de prendre les produits, si les antirétroviraux, un comprimé par jour. Nous conseillons de prendre ces molécules quand elle est enceinte, même quand elle va se retrouver dans la salle d'accouchement. Après, la femme va continuer à prendre ces molécules à vie. Cette nouvelle approche augure, je crois, de lendemain meilleur pour la vie de nombreuses femmes et bien évidemment pour sauver la vie des enfants au niveau de la RDC. Parce qu'il n'y avait que 6% des femmes qui accédaient au service PTME, mais au jour d'aujourd'hui avec l'option B+, si on arrive à le passer à l'échelle au niveau de toutes les zones de santé, ce sera beaucoup de vies sauvées des enfants, mais aussi ce sera beaucoup de vies sauvées des femmes qui accouchent tous les jours. Je suis un homme qui a été malade. Je suis un homme qui a été malade. Après un mois, je suis un homme qui a été malade. Après, je suis un homme qui a été malade. Je bébé wangu mwe pake vitu nuna na mwe munanyusha sei dawa ile mtanza pata itanisaidie mais sinon je kwa na itu mwakiri tena. Ce sont les femmes elles-mêmes qui transmettent le message à la cité. Une femme qu'on voyait maigre, amincie, sans force ou quoi que ce soit, mais on la voit avec des forces, elle marche sans problème. Elle va dire aussi à son ami, partons là au centre, il y a de véritables produits et ces produits-là sont très efficaces. Et nous espérons que d'ici l'an 2015, on sera sur notre objectif de zéro contamination. Et zéro enfant né, zéro positif.